Eh bien, yo tout le monde les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Où est-ce qu'on va être sur Farming 19? Je veux vous mettre la scène. Et... abonnez-vous pas. Ta gueule. Merci. Voilà, voilà. Donc on est parti pour faire un peu d'ensilage. Mais elle patine. Elle patine cette ensilage. Abonnez-vous, hein. Mettez des petits likes. D'accord. Abonnez-vous pas. N'allez surtout pas voir la chaîne de Robin. Abonnez-moi et à mon fils. Non. Allez. Comment tu fais ça? Elle glisse un petit peu la classe, hein, mais vraiment un peu, hein, à peine. Par contre, la classe, je vais l'enlever. On l'enlèvera du serveur, je crois. Pourquoi? 12 FPS dedans. Et 42 fois, tu sais pas pourquoi. Ou au pire, on la laisse, mais bon. À vos risques et périls, on mettra la Gender qui est exactement pareil. Elle buggera peut-être pas. Mais non, c'est pareil. Gender, tu vois. Ah oui, elle est bleue. Pourquoi elle est quand même stylée celle-là? Oh, dans le pot, c'est la dérange. Bah, j'aurais fait deux bennes, moi. Tu peux lui mettre le. Si, je crois. Et tu es là, ça? Bah, ouais, mais moi, il y a la benne, donc non. Oh, bah, la benne existe normalement. Quoi? Bah, pas dit ça avec la benne, alors. Si, elle glisse quand même. Et elle patine, du coup, avec la benne. Ah, bah, ça oui. Elle fait les deux, elle glisse et elle patine, elle fait les deux. Elle patine. En gros, dans la descente, elle prend trop de vitesse, du coup, quand je tombe sec, bah, elle glisse. Elle prend trop de vitesse, je suis dans ses lieux, hein. Oui, c'est vrai que c'est... ouais. Comparé à un tracteur, oui. Hein. En fait, moi, ma ferme, c'est le club des Renault, sauf que t'as un John Deere. Moi, c'est que des Renault, sauf que t'as un John Deere. Attends, je vais juste baisser un peu le son du jeu, s'il me paraît un peu fort. Ah mais d'accord, mon son de jeu en gros, ouais, il est pas très fort encore. Mais je vais le baisser encore un peu mieux parce que... vous me direz dans les prochaines vidéos, en fait, s'il faut que je le remonte ou le baisse. Au pire, je regarderai bien. Hein. Parce que je sais pas si pour le son du jeu, je le laisse comme ça, je le monte plus, je le baisse. Bah non, mais on est le week-end. Ah, allez, fini d'enciler. Il y a sauvegarde. Ah bah c'est bon. Donc, on va regarder les terrains. Y a-t-il du maïs? Ah non, je l'avais, c'est pas vrai, j'ai passé plus dessus. Ah! Il y a le 28, mais bon, vu la taille. Voilà. Donc, le champ 18, on peut le revendre. Ouais, je suis riche. Bah, je pense, les gars, on va partir faucher de l'herbe. On va acheter le 37, qui est pas mal. On va acheter le 44. En fait, je vais acheter tout ce qui est autour de chez Robin. Bon, c'est un peu ça, en fait. Il te reste le 45. Bon, bah, go changer la coupe, du coup. On va rendre celle-là. J'ai loué. Rendre la bas de coupe. À la base, tu voulais du maïs, hein. Là, j'ai de l'herbe. Mais j'ai fini le maïs. Donc, je passe sur l'herbe. Hein. Ah, il y a plus dans la main du maïs. T'es quand même monté. Mais j'ai pas que ça faire, moi. Bah non. Alors, non, ça c'est... donc moi, faut que je trouve une coupe pour pouvoir récolter l'herbe à la bonne hauteur. Lucas, dans la vraie vie, je suis content que tu fais ça. Vas-y, il y a un champ maïs. Tu peux en planter ou faire entrer. Ouais. Au pire, on prend ça. Non, peut-être pas ça. Ça fait 2 mètres 2, peut-être pas. Non. What? D'accord. Pour le même prix, la Krone, la Capello et la Newland, t'as la Krone, elle fait 6 mètres 2, la Capello 6 mètres 1 et la Newland 6 mètres. Tous à 36 000 euros. Je pense qu'on va rendre l'ensileuse en fait. Et au pire, on aura qu'à le récolter, je sais pas comment, mais on verra bien. Bon, sinon, on va prendre le Renault. Je vais remasser. Bon, faut que je fasse ma soin. Ah oui, faut que j'achète la faneuse, donc on va acheter tout de suite la faneuse. Ben, vraiment,
11 000 euros la faneuse, ça va, j'ai 5 000 euros. Elle prend bien la rue, il y a des monstres. Bah oui. Ah, ça va fouiller, c'est vrai. Bah normalement, non. Moi, je suis avec le petit, avec le petit. Bon, moi, j'ai une pris le Renault pour la grosse baie, moi. Moi, j'ai pris le petit Renault. Moi aussi, j'ai pris le petit Renault. Donc ça touche pas le sol. Ah mais oui, toi c'est tout petit Renault. Ah oui, dans la côte, ouais. Ouais, de fou. On va me faire. Ah, il a fini de faucher, non? Il en est où le Renault? Non, il est en train. Attends, il doit avoir... Non, il doit avoir fini, là. Ouais, il a fini le RS, enfin le Atlas. Je pense que je vais le mettre dans un prochain truc. Ah, moi. Et à ce Renault, je vais l'appeler la faneuse et derrière, il y aura le jaune d'air, je pense. La côte. Ben... Oula, oui. Il en a beaucoup des chevaux, le RS. Hein. Ouais, t'as vu, là hein. Moi, j'ai un 1140, hein. Bon, bien. Alors, j'ai combien de lisiers? Je regarde. Du lisier, j'en ai 1500 au total. Okay. Non, si là, j'en ai 16 000, mais ils sont en train de ramener de la paille hachée, donc c'est en fabrique. Et voilà. Tiens, on va aller voir où est-ce qu'il en est. Oh, il a fini, on va le mettre dans un prochain champ. Alors, X. Et go, on va au prochain pré. Alors, il est où le prochain pré? Le champ. Attends, mais j'ai encore le champ 23, moi. Faut que je le vende, il me sert à plus rien. Vendre. Il y a un point dans le 23. Ben, il est en avoine, c'est le premier que j'ai moissonné. Ah, du coup, il est plus magnifique. Ah, merde, merde. Ah, j'ai mis le. D'accord, le Renault, j'ai mis sous l'eau. D'accord. Je vais faire mes arrières en rousse. Allure. J'ai quoi mon prêt, moi? J'en ai pas beaucoup. Ouais, j'en ai pas beaucoup, hein, 4. Pas beaucoup. Go 137. Et go mettre un ouvrier intelligent. Soit disant, entre parenthèses. Hein. L'entrée. Le gros, tu l'as pas de frein. Hein. Le athlète. Tu sais qu'il met 6 mètres à freiner. Hein. Mais que. Bon, après, j'étais peut-être à 53, mais bon, il freine pas. Il y a eu combien de mètres? Bah, 6 mètres, hein. Oh, c'est bon. Ah, non, mais 6 mètres, non. C'est que la moyenne, quand t'es en voiture, quand t'es à 50, c'est bon d'elle. Attends. À pied, ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sauts. Sans courir vite, hein. Ah, parce qu'un saut, c'est 1 mètre, c'est ça? Je pense. C'est pas juste 2 mètres. Non, je pense pas. Tu aurais vu qu'il part sur 1 mètre, mais bon. Bah, par rapport au tracteur qu'on a dans Fermi, c'est vrai que lui, il freine pas. Alors, on va paramétrer l'ouvrier intelligent. Bon, puis on va pas le paramétrer et on verra bien ce qu'il nous fait. Le Atlas. Tape-toi pas la barrière. Mais il est con, il se tape la barrière. Ah, faut que je laisse combien sur le côté? Alors décalage. Non, pas pour les virages, décalage largeur. J'ai mis 1 mètre, on va voir ce que ça fait. Ah, mais il est encore plus con. Mais il croit vraiment qu'en plus ça va marcher, non mais. Deux de puits. Ouais. Alors on va lui remonter le décalage. On va le mettre sur. C'est peut-être moins de mètres qu'il faut mettre. J'ai mis plus de mètres, mais il a replié la faucheuse à l'avant, mais c'est bon.
Mais alors là, non mais là les gars, on a la crème de la crème. Hein. Je crois que c'est pas ça. C'est plus ça. Voilà, ça doit plutôt être ça. Parce que moins de mètres, ouais. On a un ouvrier, mais il y a quoi. On va le mettre sur l'autre côté au pire, genre, il débrouillera bien. Quoi, il s'appelle pas Hulk, hein. Non. C'est pas l'ouvrier Aile. Alors. C'est pas l'ouvrier Aile. Je sais pas. Ça doit être l'ouvrier bah, A. À moins que toi t'as un ouvrier qui s'appelle A. Ah oui, oui, là tu vois son décalage. Ah non, mais je lui ai dit de partir à gauche, il part à droite. Il fait un tour. Il est con, il est con. Mais je lui ai pas dit de faire ça. Ça va. Tu sais qu'il est 30 millions l'ouvrier. 8,47. Le 8, c'est pas 3,47, c'est ce que le père. Oui, je l'ai raconté. Mais il est con. Tu lui dis de partir à gauche, l'autre il fonce dans la barrière. Je t'ai pas dit de foncer dans la barrière. Dans genre combien de toute façon, je... Contrôle A. T'as le manuel qui attention. Direction manuelle, non. S'arrêter pour décharger, non. Ok, j'arrive. Côté actif, gauche, décalage. On va mettre 0. Ouais, j'ai raté. Farming. Les gars, le plus con du monde. Attends, on va lui mettre un mètre quand même de 10 calories, on va voir ce qu'il nous fait. Bah, je crois qu'il a été encore un peu plus intelligent. Bon, au pire, les gars, on le fera nous-mêmes. Hein. On le fera nous-mêmes. Hein. Ok, ouais. Voilà. Bah voilà les gars, on va s'arrêter pour cette toute première vidéo sur l'aventure des Renault. Non, pour l'aventure des Renault et un John Deere. Pas faux, mais bon. On a un RS et un Atlas. Et on a du coup le John Deere qu'il y a à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, merci d'avoir regardé. Puis on se retrouve pour un prochain épisode, les gars.